Salut à tous, alors vidéo particulière aujourd'hui, il n'y a pas de présentation. Déjà je tenais à vous dire merci, on est enfin plus de 500 abonnés. Donc ça peut paraître ridicule au vu de certains youtubeurs, mais pour quelqu'un comme moi qui est parti bah, de rien du tout, qui fait avec ce qu'il a et qui reçoit un tel accueil, bah, ça fait vraiment super plaisir et je suis vraiment content d'arriver à plus de 500 abonnés. J'avais dit que je ferais quelque chose de particulier. On m'a demandé à plusieurs reprises une vidéo en particulier, c'est-à-dire me présenter la collection, ma collection. Donc bah tout simplement on va la faire à cette occasion. Ça va pas être une présentation de ma collection dans le sens où je vais vous déballer une par une mes chaussures. Tout simplement parce que c'est une vidéo qui prendrait vraiment trop de temps. J'ai pas envie de faire une vidéo de 20 minutes et que les gens se lassent à la regarder. C'est pas pratique, j'ai pas le matériel adéquat, ça va être assez galère de filmer d'une main et de montrer les paires avec les autres. Donc non, on va juste passer bah, aux endroits où je stocke mes chaussures. Bah, par exemple j'ai une pièce où je stocke pas mal de boîtes, donc ça vous permet de voir ce qui vous attend. Moi je trouve que j'ai déjà publié pas mal de vidéos ces deux dernières années. Et bah figurez-vous que ça représente bah, à peine plus de la moitié des chaussures que j'ai, puisque j'en échange, j'en achète, j'en revends, donc ça bouge tout le temps. Et justement j'ai pas envie de vous montrer toute cette collection enfin chaussures par chaussures, simplement parce que j'ai des chaussures que j'aurais peut-être plus d'ici là, il y aurait peut-être de nouvelles chaussures. Et c'est surtout que j'ai envie de garder la surprise à mes abonnés, j'ai envie que vous découvriez petit à petit une chaussure plutôt que de tout voir dans cette vidéo, et ça pourrait couper le délire. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vous prierai d'être gentil, on va voir ma maison. Donc ça fait. Donc là on part de la chambre où je fais mes vidéos. Donc je vais vous montrer. Vous allez voir un bout de ma maison. Hein. Donc on commence avec l'entrée. Donc j'ai ce petit portant où je pose mes chaussures quand j'ai la flemme de les ranger. Je vous rassure, les Kalenji là, c'est pas les miennes. Mais bon bah à part les Blazer SB qu'il y a ici, c'est que des chaussures que vous avez déjà vues dans mes vidéos. J'ai mes petits cuirages qui traînent ici. Donc voilà, j'en stocke aussi une petite partie dans l'entrée, mais vraiment très peu, j'ai que quelques boîtes. Donc j'ai juste deux boîtes, trois boîtes de Vans et une boîte de Supra. On reconnaît les fausses Jordan Retro 4 dont je me suis servi pour faire la vidéo comparaison. Donc là c'est juste un petit bout, j'évite d'en stocker dans l'entrée parce que bah, je suis pas tout seul chez moi, j'ai aussi mes darons. Donc ma mère qui aime bien les chaussures aussi, bah, elle stocke ses bottes. Donc moi j'ai une pièce particulière. Donc ma chambre que vous connaissez bah, à travers mes vidéos aussi. Donc ça fait bah, que depuis quelques temps que je mets des boîtes dans ma chambre puisque ça commence à être assez chaud niveau place. Donc pareil, que des chaussures que vous connaissez. J'en ai une petite partie ici où je stack 4 boîtes. Et j'en ai une autre partie dans un bac de ma chambre. Où c'est des petites chaussures basses, genre des Vans. Vous voyez. Et ensuite, on va passer au plus gros de la vidéo. Et voici. Donc vous voyez les dégâts que peut faire sur votre maison, l'achat de plus de 60 paires. Donc ouais, ça fait vraiment vraiment beaucoup de boîtes. Normalement c'est plus rangé que ça, c'est pas en bordel, mais c'est juste que ce matin en prenant une boîte, bah, tout s'est cassé la gueule, donc j'ai pas eu le temps de ranger. Donc voilà, vous pouvez vous rendre compte que ça fait beaucoup 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 de boîtes, et on pense souvent à l'aspect budgétaire, mais on se rend pas compte que c'est surtout assez de la place quand même, les chaussures. Comme vous voyez, bah, ça fait vraiment pas mal de boîtes. Et bah au bout d'un moment on n'a plus de place. Donc voilà, bah j'espère que ça vous a plu. Ce sera l'occasion de vous montrer ma petite collection. Et moi ça me fait d'autant plus plaisir que là bah je vais partir quelques temps à l'étranger. Je vais partir 4 semaines encore comme j'ai fait bah, l'an dernier au Canada, sauf que là ça va être dans un autre pays. Donc je sais pas si j'aurai l'occasion de vous présenter des chaussures. Donc bah, je voulais faire une vidéo qui allait être intéressante pour vous, pour moi, et que le temps passe vite. Je vais essayer de vous en présenter quand même, prendre des chaussures que j'ai jamais faites, mais je vous garantis rien. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Merci encore de me supporter à ce point-là. Plus de 500 abonnés, je vous le répète, c'est énorme. On fait,
On fait plus de 1000 vues chaque semaine, donc c'est vraiment des performances exceptionnelles. Et moi, je vous fais un grand salut et on se retrouve bah, au pire dans un mois. À plus!